tant d'idées, il serait où? Parce qu'en même temps, j'ai pas mal fait tous les niveaux dans l'ensemble. Tu sais, il y a la chute. La chute, il y avait rien en particulier quand on sautait dedans. Ça ici, c'était pour se transformer. Après, en bas ici, c'était le labyrinthe, on l'a fait. Ça ici, il n'y avait rien en particulier. Ça, je peux te dire que de faire péter ça, ça n'a rien. Ça, il n'y a rien d'intéressant. Au final, il n'y a pas grand chose qui se trouve ici. Je vais essayer de voir à l'arbre. J'ai l'impression que c'est peut-être là, mais sinon, j'ai pas tant d'idées où ça pourrait être. Assez perplexe de la chose. Ma foi. Il y a lui ici qui est caché, merci. Pourquoi pas? Ouais, je pense qu'on va aller voir en haut, puis si je trouve rien, ben, je vais juste littéralement me rendre tout de suite au... Ça ici, ça passe, ouais. Ça, je vais juste voir si je pète ça, s'il y avait d'autres choses en arrière ou non. Pas l'air de... J'espère que non, hein. J'espère que c'est pas là qu'il y a les notes de musique, mettons, à la gauche ou à la droite, mais je pensais pas. Déjà que j'ai eu l'alvéole vide est quand même assez rapide. Ouais, je pense qu'il n'y a rien d'autre. C'est le chrome de Mumbo que j'ai aucune idée comment réussir à le récupérer qui est juste là, ici, mais... On va essayer de trouver quand même peu de choses possibles que je suis capable peut-être de trouver. Ça, il n'y a rien ici. Peut-être sur les nageoires, je pourrais aller voir après. Peut-être autour de l'arbre. Que la seule façon ce serait avec le crocodile, puis je l'ai pas pris. Non. Chiant ça, sérieux. Ça là. Vraiment juste. Bon, je peux pas la récolter. On va aller se tomber, hein. Il vient d'avoir deux dans ce niveau qu'on va pas avoir récolté, mais à un moment donné, je peux pas toutes les faire non plus. Hein. Du moins, pas toutes les faire du premier coup, c'est plus ça. Parce que quand tu dis qu'après c'est juste de refaire littéralement tout le chemin pour revenir jusqu'à temps que je retrouve le truc, ça t'en la peine. Ça, dans l'arbre, il n'y avait rien d'autre ici. On va monter ici. Il y avait de chacun des deux côtés, il n'y avait rien. Il y avait juste ici qu'on pouvait monter. Hop. La plateforme qui était là. Aha! On va monter jusqu'en haut. C'est sûr et certain, mais finalement, c'est que j'avais tombé tantôt. Là, ici, puis c'est souvent la pièce de puzzle qui est ici. Va m'en manquer deux, c'est ça? Ouais. Ça ici, je l'ai fait là-bas. Ça ici, il n'y avait rien d'autre. Ça ici, dans l'œuf, je l'ai fait. Donc là, il n'y aurait plus rien ici. Ça, je l'ai fait. Rien de spécial non plus. Je vais vous montrer exactement ce que je vous disais tantôt. Si par exemple je tombe du côté de l'arbre, que ça soit plus simple à faire, si je fais ça, je reçois pas de dégâts. Que normalement j'en recevrais. Mais en faisant ça, t'en reçois pas. Tactique 101, très facile. Et là, je vais juste voir. Ah, c'est sur le. J'ai vu. J'espère que c'est les 4 dernières qui sont là. C'est clos à diminuer, mais c'est juste un problème d'affichage. Est-ce que c'est les 4 dernières? Une. Tellement de tristesse. Sûrement, je suis capable de sauter jusque là. Ouais, bon, j'ai au moins récolté ici. Mais ça veut dire qu'il m'en manque une quelque part. Ce serait où? Tout le côté du niveau, normalement, c'est fait. Dans le milieu, c'est fait. Ça ici, peut-être à l'intérieur? Non. Ça ici, non. Est-ce que peut-être j'aurais pu rentrer dans le tuyau qui est ici? Un écran de Mumbo. J'aurais pu récolter. J'ai pas pris. Est-ce qu'on peut réussir? Peut-être à le glitch. Non. Il a bien fait ça. Donc ça serait le dernier. Il manque juste une pièce de puzzle. Pas une pièce de puzzle, mais une pièce de note de musique. Frustrant. C'est seulement qu'il m'y en tête. Ça serait où? Ici, il y a une ruche d'abeilles, je m'en fous. Ce serait pas non plus dans le fond, ça je l'ai fait de ce côté-là, mais c'était pas là non plus. Ah, c'est frustrant, sérieusement, une qui manque.
Ça change pas grand chose parce qu'en gros, en même temps, pour les différents. Attends, juste peut-être essayer de suivre le chemin peut-être de ce côté-là. Peut-être qu'il y a quelque chose. Je pourrais être peut-être étonné d'en trouver une tout d'un coup, genre exactement comme ici. Je croyais trop. Puis non plus, de l'autre côté, je pourrais dire que de ce côté-là, il y en a pas non plus. Mais ce que je voulais dire, c'est en gros, c'était dans le principe que. Je vais avoir quand même assez de pièces, pas de pièces, de notes musicales pour pouvoir accéder quand même à ouvrir la prochaine porte. Parce qu'en gros, c'est avec un certain nombre de pièces, pas de pièces, j'aurais pas dit des pièces, mais c'est pas des pièces, c'est des notes. Une note de musique, je devrais en avoir assez pour pouvoir ouvrir le prochain monde. Donc on va pouvoir finir ça là-dessus. Bon, on en manquait quand même deux Jinjo. J'ai quand même eu toutes les Jinjo. Mais je suis quand même intrigué de savoir ce serait où les deux autres pièces, parce qu'en tant que tel, j'ai bu, on a tout fait. Peut-être à l'intérieur de la course? Peut-être de la slide? Peut-être. Je sais pas trop. J'ai pas tant une grande idée de où que ça pourrait se cacher. Mais on va finir le monde des auras. La récolte était quand même assez bonne et tout ça. On va quand même finir là-dessus pour revenir dans la rue Hyrule Field. Et oui, en gros, il va juste dire qu'il nous garde le score et tout ça. On aurait pu peut-être faire mieux, mais bon. Pas extrêmement grave non plus. Vu que tu avais parlé de ce sujet, j'étais en train de réfléchir, je me souviens où j'étais venu la dernière fois. C'est sur Firewatch, quand même! T'as quand même bien réfléchi pour eux. Hello? C'est juste un grillage, je peux pas traverser. Non. Ok. Mais j'avoue que Firewatch, ça fait quand même assez longtemps. Mais cool là-dessus! C'était quand même cool Firewatch, sérieusement, juste la fin qui est un petit peu bizarre, mais ensemble c'était bien. Alors, on peut pas dire que c'était mauvais, mais c'était une belle expérience quand même. Je pense que de toute façon il va y avoir de plus en plus des jeux comme ça que je veux juste, entre guillemets, pas me casser la tête puis faire des streams de temps en temps. Parce que de toute façon il va y avoir une vidéo aussi qui va arriver sur la chaîne que je vais juste expliquer comment que je m'organise. Je peux pas plonger dans le jeu. Je suis pas sexy, mais finalement non. Mais en gros, il va y avoir une. Pour parler un petit peu de l'horaire, comment que je vais m'organiser pour les streams et tout ça. Puis je pense qu'il va y avoir plusieurs streams que quand je finis de travailler, je vais juste tout simplement lancer directement le stream. Et les fins de semaine, ça risque de s'enligner sur un samedi. Samedi, tout simplement, les streams plus que le dimanche. Dimanche, j'aime mieux me reposer et prendre ce relax. Ça se peut qu'il y en ait de temps en temps quand même, j'ai pas le contrat, mais. Alors quand même une bonne partie que les streams ça va être le samedi. Et je vais essayer de voir aussi comment je m'organise pour les jeux en particulier que je fais, parce que je vais aimer ça peut-être de me lancer devant certains jeux fixes, peut-être pas dans toutes les streams, mais à essayer de le faire pour que les gens viennent voir là-dessus. Et en gros qui a une certaine habitude, mettons, de voir les streams qui viennent pour le même jeu en particulier. Je vais voir tout ça en. J'ai l'impression que la musique est revenue super forte. C'est peut-être moi qui parle pas fort aussi, ça se peut. Et ça dépend peut-être aussi des emplacements. Peut-être que c'est la musique de Hyrule aussi qui était hyper forte comparée par exemple à celle-ci. Ça se peut. Mystère et boule de gomme. Ok, donc là c'est facile, c'est droite. Stream pendant le couvre-feu, c'est ça l'important. J'avoue aussi que c'est le meilleur moment pour pas mal faire le stream aussi pendant le couvre-feu, c'est sûr certain. J'étais bien sûr, peut-être Dragon Roost Island était très forte. Est-ce que je m'en vais à bon endroit? Oui, je m'en vais à bon endroit. Pendant deux secondes, je sais quand même. Est-ce que je connais bien mon Lost Wood? Non, il faut que je continue. Après, c'est à gauche. Et après, c'est encore à gauche. Voilà. Ok, je pensais que je m'avais trompé pendant deux secondes. Ah, ok, la porte c'est 450. J'ai combien exactement? J'en ai 0! Non, j'aurais pas 0, c'est juste. En gros, il a pas gardé le score que j'ai avant, mais sinon, j'aurais récolté combien au total? Il est pas marqué. Je devrais en avoir assez. Et les fantômes que je dois esquiver. Je fasse attention. Mais oui, pendant le couvre-feu, je pense aussi que c'est un bon moment. C'est juste que des fois, ça fait un peu tard parce qu'il y a une partie aussi que c'est. Qu'il y a beaucoup de Français qui regardent. Est-ce que je peux les éliminer? Oui, parfait.
y a des Français ou des Québécois, fait que je vais voir aussi en même temps comment que ça fonctionne et tout ça pour les streams. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes des fois qui regardent pas mal en soirée, enfin, d'autres qui regardent un petit peu plus tôt et tout ça, fait que je vais essayer de faire un compromis pour tout le monde, certes. Celui-ci. Ouais. Ouais, merci. Là, normalement, la petite échelle qui est ici, et puis il y a un trou dans le milieu exactement ici. C'est juste ça, il n'y a rien d'autre. Ah, ok, mais il y a une rentrée ici. Ça, c'est nouveau. Ça, normalement, dans le jeu de base, il n'y a pas ça. Lostwood, Kokiri Village. Non, Kokiri Forêt. Qu'est-ce que c'est ici? Ça, c'est une zone complètement nouvelle parce que dans le jeu de base, dans Ocarina of Time, il n'y a pas ça. Forest Temple. Ok, puis si je traverse de ce côté-là, ce que ça donne? Bonne question. Bon, je vais défoncer tout complet. Hein. Let's go, c'est parti. Et qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Ah ah! Finalement, c'est une bonne idée d'y aller. Fait que là, le temps de la forêt est ouvert. Good job. Oh, mais finalement, il fallait que je vienne ici. Ok, je sens que le temps de la forêt en plus va être complexe comparé à d'autres. Je sais pas s'il va y avoir un boss. Parce que quand même, dans certains Akram, des fois, ils mettent des boss aussi à l'intérieur. Donc j'ai bien hâte de voir quand même comment ça va s'organiser. Puis là, on peut quand même faire des sorties assez rapides dans différents endroits comme Kokiri Forest. Enfin, je suis curieux en tant que tel. De toute façon, je suis pas dans un niveau en ce moment, je suis juste dans une transition de niveau. Donc je me dis que c'est quand même pas trop mal, tout dépendant. Ah oui, ça me sortit. Ok, ça me sortit. Finalement, c'était pas une bonne idée. Je pensais pas que ça, qu'est-ce que ça allait donner. Donc on va faire exactement le même chemin. Donc droite, gauche, droite. Oui. Droite, droite, droite. Après ici, c'est gauche. Tout droit. Gauche, gauche. Tu sais que c'est, t'as joué trop longtemps avec un half time si tu te souviens exactement. Là, je vais voir s'il y a peut-être autre chose. Okay, j'aurais pu penser qu'il y aurait peut-être quelque chose de caché, mais finalement, non, vraiment pas. Il aurait pu avoir un easter egg, il y en a de temps en temps de toute façon, fait que ça aurait pu. Fantôme ici, on va l'esquiver. Oh. Finalement, je peux pas. Faut que je l'ai démoli. Hop, perdu une plume pour rien. C'est quand même décevant de perdre une plume d'or. Mais bon. Quand faut les utiliser puis t'as pas le choix, c'est autre chose. Normalement, je devrais être pas pire pour. J'allais dire pour pas l'utiliser, mais non, pas le choix. Traverse ici. Là, ici, je peux l'esquiver. Jamais fait en plus que genre c'est tellement des ennemis qui ont. J'allais dire qui ont. Je peux juste passer à côté. Ouais. Non mais. Okay. Merci caméra, toujours si génial quand même. Ah oui, il y a un grand méchant qui est ici. Facile à tuer quand même. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial, peut-être de caché quelque part? Non, vraiment pas. À moins peut-être en arrière de l'arbre. Ah non, ici. Donkey Kong Land. Petit easter egg caché encore une fois. Je me demande si en plus les jeux qu'il a mis, c'est des jeux qu'il aime bien ou si c'est juste vraiment comme des jeux random. Je sais pas trop là-dessus qu'est-ce qu'il a mis. S'il y a une suite logique ou s'il y en a vraiment pas. Donc on va rentrer dans le temple de la forêt.